Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici Merci. À Québec. Merci beaucoup d'être venu me voir. Quelques semaines que vous êtes arrivée. Absolument, je suis arrivée. J'ai pris mes fonctions début septembre. Comment ça se passe? Écoutez, ça se passe très bien. J'ai beaucoup de chance parce que je suis dans un poste qui est extrêmement intéressant, extrêmement agréable aussi. J'ai eu une arrivée un petit peu mouvementée avec un Premier ministre qui arrivait 6 semaines après moi. Mais les Québécois étant extrêmement accueillants, la ville de Québec étant magnifique, celle de Montréal où je passe aussi beaucoup de temps, très intéressante, passionnante. Bien écoutez, je crois que tout se passe bien. Est-ce que vous connaissiez le Canada et le Québec ? Alors, je connaissais le Canada parce que j'avais eu une première chance, en fait. Ma première affectation à l'étranger en tant que jeune diplomate, c'était l'ambassade de France à Ottawa. Et à ce moment-là, donc c'était il y a fort longtemps, mais à ce moment-là, j'avais travaillé sur la politique intérieure canadienne et j'avais eu l'opportunité, pour le plaisir, de voyager dans l'ensemble du Canada et notamment au Québec. Donc j'étais allée de Tofino aux îles de la Madeleine et je m'étais beaucoup promenée aussi au Québec et notamment à Québec. Donc je connaissais un peu, mon objectif c'est vraiment d'approfondir et maintenant de connaître vraiment. Donc justement, pour approfondir donc cette relation franco-québécoise dont on parle beaucoup, vous, en arrivant de premier abord, comment vous la trouvez, cette relation franco-québécoise ? Écoutez, moi j'ai entendu des choses positives, négatives. Moi je vous dirais qu'elle est très bonne, cette relation franco-québécoise. Elle est très bonne parce qu'elle s'appuie sur le passé, elle est très solidement ancrée et puis elle est complètement tournée vers l'avenir avec des domaines de coopération qui sont extrêmement larges, des relations politiques bien sûr, des relations économiques. Si on veut avoir quelques chiffres en tête, 400 filiales françaises qui sont installées au Québec avec une coopération qui va du domaine universitaire, scientifique, culturel, environnement, la participation de la France à des salons comme Americana, à Cinémania à Montréal, à la Semaine du Numérique à Québec. On a la chance de travailler avec des opérateurs comme l'OFQJ, 4000 jeunes français et québécois qui voyagent tous les ans. On a également 80 projets de coopération qui sont soutenus par le Fonds de coopération franco-québécois, 500 étudiants en co-tutelle qui travaillent avec des laboratoires français et québécois. Donc on a vraiment une relation qui est très riche et qui s'appuie sur des bases très solides et qui en même temps se tourne vers de nouveaux champs, alors depuis quelque temps déjà, le numérique dans toutes ses acceptations, à la fois dans la relation culturelle bien sûr, les industries culturelles et créatives, dans la relation aussi économique, bien entendu, avec toutes les entreprises françaises qui sont installées, tout le travail que nous faisons avec le secteur numérique, avec Bleu Blanc Tech, qui s'est installé, qui a été labellisé à Montréal. Et puis, le numérique aussi dans l'acceptation politique. Lors de la visite du Premier ministre, ça a fait partie des deux priorités importantes en matière de secteur qui ont été citées par les premiers ministres. Axel Lemaire et Dominique Anglade ont pu travailler ensemble. Et un deuxième champ qui est important, qu'on renouvelle aussi, c'est la francophonie. Évidemment, le Québec et la France sont des partenaires indissociables en francophonie. Et maintenant, le Québec et la France vont travailler à l'extérieur, dans des pays tiers, et notamment en Afrique. Et c'est un des engagements que les deux premiers ministres ont pris. Donc, une relation, encore une fois, qui va très bien, qui est assise sur des bases très solides et qui est tournée résolument vers l'avenir, vers la jeunesse, vers la relève. Alors justement, on parlait des étudiants et de la relève. Il y a quelque temps, les frais de scolarité ont augmenté. Est-ce qu'on a eu des retours, je dirais, positifs ou négatifs est-ce qu'il y a moins d'étudiants français? Est-ce que vous avez eu des retours? Alors, c'est un peu tôt pour avoir des retours vraiment significatifs, car en fait, cette mesure qui a été prise donc maintenant il y a un an et demi, en fait, la première année d'application, c'était l'année dernière, mais il y avait ce qu'on appelle une clause grand-père, qui permettait en fait aux étudiants qui étaient déjà inscrits, qui avaient un plan donc sur 3 ans de poursuivre leurs études, donc ils n'ont pas été affectés. Donc, de ce que j'ai entendu moi, il y a eu une petite baisse de présence des étudiants, mais on ne peut pas encore tirer de conclusions. Je pense qu'il faudra effectivement tirer les conclusions, sachant que cette hausse des tarifs de scolarité ne touche que les étudiants de premier cycle et que la priorité que nous souhaitons avoir, nous, c'est le deuxième et surtout le troisième cycle maintenant pour se tourner vers les doctorants et plus de qualifications, disons, dans la relation universitaire. Alors, quelles sont, pour 2017 et les années qui viennent,
les dossiers prioritaires pour vous? Alors, les dossiers prioritaires, je dirais qu'il y en a deux et un troisième qui réunit un peu les deux. Le premier, c'est la communauté française, avec en premier lieu la priorité numéro un pour 2017, ce sont les élections, bien sûr, avec à la fois, d'abord dans une urgence jusqu'au 31 décembre, m'assurer que tous les Français qui le souhaitent se sont inscrits sur la liste électorale de Québec et qu'ils pourront donc voter où ils le souhaitent, c'est-à-dire qu'ils ont mis à jour leur situation électorale. C'est très facile, maintenant on peut le faire en ligne, comme vous le savez, depuis le 15 juin dernier, ça fonctionne d'ailleurs très bien. Donc voilà, ça c'est ma première priorité, communiquer, inciter les Français à le faire. Et puis la deuxième priorité dans ce sujet-là, c'est que les élections se passent bien. Nous y travaillons déjà avec mon équipe depuis évidemment plusieurs semaines. Il n'y a pas de raison d'être inquiet, mais voilà, ce sera un sujet important. La deuxième priorité, eh bien, c'est l'animation. Et la poursuite de cette relation franco-québécoise dont nous avons parlé, la mise en œuvre des priorités qui ont été fixées par les premiers ministres, et puis aussi, bien sûr, approfondir, développer de nouvelles coopérations, être présent. Donc ça, c'est la deuxième priorité. Et la troisième qui réunit les deux, c'est être présent. Être présente pour moi sur le terrain, c'est-à-dire que je suis évidemment à Québec, je suis aussi à Montréal où j'ai une partie de mes équipes et bien sûr une partie de mon activité, mais le Québec ce n'est pas seulement Québec et Montréal et donc j'ai bien l'intention d'aller en région. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire à cause des circonstances que nous avons évoquées au début, mais je compte bien me déplacer en région pour à chaque fois rencontrer la communauté française, les autorités locales et puis les différents partenaires avec lesquels nous travaillons, car nous travaillons sur l'ensemble du Québec. La France, la coopération franco-québécoise est présente sur l'ensemble du Québec. Donc voilà, c'est cette priorité d'être présente sur le terrain que je voudrais mettre en œuvre pendant ma période d'affectation ici. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer le maire Labeaume, le Premier ministre, des ministres du gouvernement du Québec? Bien sûr, alors j'ai rencontré plusieurs fois le Premier ministre pour préparer la visite. Ensuite, j'ai eu la chance de le rencontrer au moment de la visite, d'être pendant deux jours très souvent avec lui. J'ai rencontré aussi certains ministres, alors Christine Saint-Pierre qui est mon interlocutrice privilégiée. Et puis j'ai eu l'occasion aussi, puisque les rendez-vous se prennent au fur et à mesure, de rencontrer Monsieur Fournier, de rencontrer également, pas plus tard qu'hier, Gaëtan Barrette, qui va venir en visite en France et donc... Nous avons évoqué les différents sujets concernant la santé, la coopération en santé. Et puis j'ai rencontré plusieurs fois également le maire Labeaume avec qui nous avons développé une relation extrêmement sympathique et je crois de confiance qui est liée aussi au fait que le consulat général de France à Québec travaille avec la ville de Québec sur à peu près la quasi-totalité de ses projets. À Québec, nous sommes présents à la semaine du numérique, le festival d'été, le festival du film, la Biennale de Québec, tout cela, nous le faisons avec des partenaires, mais aux côtés toujours de la ville de Québec. Alors l'année prochaine, à Montréal, c'est le 375e anniversaire, Axel Lemaire est commissaire du président de la République. Est-ce qu'on a déjà un petit peu une idée de quelle va être l'implication de la France, le rôle de la France dans cet anniversaire? Alors oui, on a une idée, mais je ne vais pas moi dévoiler avant le mercredaire ce qui va être proposé par la France pour le 375e. Donc voilà, je crois que le dévoilement c'est le 12 décembre, donc il va falloir attendre un petit peu juste à ce moment-là, mais la France sera évidemment présente aux côtés de Montréal pour ce bel événement. Oui, évidemment, c'est une évidence. C'est une évidence parce que dans la relation franco-québécoise est tellement étroite, parce que même bien Montréal, évidemment, comme Québec, sont au centre de ces relations de grandes villes. Bien sûr, quand nous avons été sollicités à différents niveaux, je dirais, beaucoup de, à la fois, collectivités locales, et puis, vous avez cité Axel Lemaire, qui est commissaire nommé par le président de la République, on a répondu présent pour travailler sur ce projet. Vous avez, je crois, également rencontré la communauté française. Je crois qu'il y a 10 000 Français inscrits à Québec. Comment vous la trouvez, cette communauté française du Québec? Alors, c'est je dirais pas de Québec, puisque moi, je suis consul général pour tout le Québec
hors Montréal et sa circonscription, en termes consulaires. Donc la communauté française, elle est de près de 10 600 personnes inscrites au registre. Donc comme d'habitude, hein, on a tous les Français qui ne sont pas inscrits, que j'espère attirer avec notamment l'inscription en ligne. Cette communauté, effectivement, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, à la fois de façon individuelle dans les différents rendez-vous que j'ai pu avoir, et puis également en rencontrant les associations, les élus, les conseillers consulaires. Et donc j'ai discuté avec toutes ces personnes. Elle est très variée. Elle est variée à la fois par la date de son implantation, des personnes qui sont là depuis très longtemps, des personnes beaucoup plus récentes. Elle est variée par son activité. Il y a des jeunes qui viennent ici pour étudier. Il y en a beaucoup. Hein. On parle de 12 000 Français qui étudient dans l'ensemble du Québec, donc Montréal compris, mais dans l'ensemble du Québec. Et puis, des personnes qui viennent travailler, qui ont déjà un emploi, qui viennent en coopération. Des personnes qui sont installées ici parce qu'ils sont mariée à un conjoint ou une conjointe québécoise. Donc elle est extrêmement variée, elle est très dynamique. Et puis il y a aussi des personnes qui sont là depuis très longtemps, qui sont un peu les socles dans ces associations, avec bien des associations anciennes, les anciens combattants aussi. Donc vraiment un panorama très large. Et moi, je souhaite, et j'ai déjà commencé à le faire, à les rencontrer, à pouvoir parler avec eux, à pouvoir les associer à ce que nous faisons. Hier, à la résidence, je faisais la dernière cérémonie de remise d'attestation de nationalité, la dernière parce que la compétence de l'état civil est maintenant à Montréal. C'est toujours un moment émouvant. Nous avions 7 Français et Françaises nouveaux dans la communauté nationale et qui étaient extrêmement fiers. Et donc, voilà, c'est aussi ça, la communauté française du Québec. Donc, voilà. Alors justement, ces Français qui ne se rendent pas compte, qui ne sont plus fiers d'être Français, j'allais dire, et qui ne s'inscrivent pas, quel message vous avez envie de leur donner ? Ah, écoutez, et de leur délivrer ? Moi, c'est un sujet qui m'importe beaucoup parce que ma précédente affectation, j'étais directrice adjointe des Français de l'étranger de l'administration consulaire. Donc, j'ai travaillé beaucoup pendant 3 ans pour les Français de l'étranger. Hein, c'était vraiment le cœur de ma mission. Je crois qu'il est très important d'être inscrit auprès du consulat. D'abord, cette année, pour pouvoir voter, évidemment, mais pas seulement parce que ça permet d'être connu et contrairement à certaines idées reçues, le consulat n'est pas là pour traquer les Français, pour évidemment donner des informations. Donc ça, je pense que maintenant, c'est à peu près clair pour tout le monde. Donc moi, mon message, c'est bien sûr de s'inscrire, et je dirais que je pense qu'il est plus facile encore maintenant à faire passer avec l'inscription en ligne. On s'inscrit en un quart d'heure, 20 minutes, de chez soi, n'importe où, à n'importe quel moment. On conserve aussi les documents. Le site servicepublic.fr permet, une fois qu'on a scanné ces documents d'identité, mais on les garde dans son portefeuille, dans son compte service public, c'est-à-dire que c'est utile pour des gens qui sont, évidemment, qui restent dans un lieu, mais qui voyagent ensuite. On peut modifier sa situation quand on passe d'un poste à un autre. Donc tout ça est extrêmement simple, et je pense que c'est très important de pouvoir faciliter la vie des Français, faciliter les démarches. Donc voilà, l'inscription, elle permet non seulement d'être connue, elle donne accès évidemment à des prestations sociales quand elles sont possibles en fonction des revenus. Et donc je pense que c'est important. Même si dans un pays comme le Canada, dans une circonscription comme celle de Québec, on pourrait se dire « je n'en ai pas vraiment besoin parce qu'il n'y a pas de problème de sécurité », mais ce n'est pas seulement ça, l'inscription consulaire. Donc voilà, mon message, c'est inscrivez-vous. Et avant le 31 ? Avant le 31 décembre, sur les listes électorales, et inscrivez-vous sur le registre à n'importe quel moment quand vous venez d'arriver. En terminant, on a envie de vous connaître un petit peu plus, de savoir, je sais pas, quels sont vos hobbies, est-ce que vous allez visiter le Québec, est-ce que vous êtes venu en famille, est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Ben oui, bien sûr, je vais vous en dire plus. Alors, est-ce que je vais visiter le Québec ? Oui, absolument, je vais le visiter professionnellement, mais je vais aussi, bien sûr, le visiter de façon touristique. Quand j'avais passé 3 ans au Canada, je n'étais jamais revenue en France, je n'avais fait que visiter le Canada. C'est exactement ce que je souhaite faire aussi au Québec, donc visiter moi-même et puis visiter en famille. Alors, je suis venue, disons, avec la,
la moitié de ma famille, je suis venue avec ma fille. Mon mari et mon fils sont eux restés en France. Mon fils a commencé des études et mon mari ne pouvait pas me suivre cette fois-ci. Donc lui qui avait beaucoup aimé le Canada aussi va venir me retrouver pour que nous visitions ensemble. Donc voilà pour la réponse en famille. Quels sont mes hobbies? Moi j'aime beaucoup la nature, donc j'aime beaucoup être à l'extérieur. J'aime beaucoup la lecture aussi, donc je vais commencer à écumer les librairies pour poursuivre ma connaissance de la littérature québécoise et me plonger à nouveau dedans. Et j'aime beaucoup le cinéma, donc je regarde beaucoup de films, j'essaie d'aller beaucoup au cinéma aussi. Je crois que mon hobby principal, ce sera de connaître la vie québécoise. Donc moi, c'est ça dont j'ai envie pendant ces 3 ou 4 ans. Nous avons la chance de faire des métiers qui nous permettent d'être au contact des gens et puis au contact d'une région, au contact d'une ville. Et moi, c'est ce que je souhaite faire pendant cette période où j'ai la chance d'être affectée à Québec. Êtes-vous une fan de Xavier Dolan ? Alors, j'aime beaucoup ce que fait Xavier Dolan. Je n'aime pas nécessairement tout, mais je trouve que ces films ont une très grande force. Et que c'est une personnalité intéressante, et ce d'autant plus qu'avec son jeune âge, je trouve ça exceptionnel qu'il arrive à faire passer des messages aussi forts dans ses films, et qu'il arrive aussi, de par son grand talent, à drainer avec lui des acteurs qui ont beaucoup plus d'expérience, qui sont beaucoup plus âgés, qu'on parle de Anne Dorval ou de toutes les actrices qui ont été amenées à travailler avec lui. Donc oui, j'aime beaucoup Xavier Dolan. En terminant, on est à la veille de Noël. Est-ce que vous avez un message à adresser à ceux qui vont nous écouter, puis à la communauté française ? Écoutez, je souhaite à toute cette communauté française de très belles fêtes. L'année 2016 a été une année difficile pour la France, qu'on y vive, ce qui a été mon cas pendant une partie de l'année, ou même en étant à l'étranger. Donc je nous souhaite à tous que l'année 2017 soit plus sereine, et que chacun puisse se réaliser, que ce soit à Québec, dans les différentes villes où est installée la communauté française au Canada. Et je souhaite de pouvoir rencontrer le maximum de personnes pendant l'année prochaine. Donc, très bonne année en résumé. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis on vous souhaite beaucoup de réussite. Merci bien.